Alors bonjour, aujourd'hui nous allons vous apprendre comment arriver à convertir un fichier, un document PDF en format texte et ainsi le lire sur votre portable GSM chinois. D'accord? À partir d'aujourd'hui, pouvoir lire un document PDF sur votre GSM chinois sera chose possible. Et comment? Il vous faut simplement télécharger ce logiciel, ce petit logiciel assez simple, ePDF, PDF to Text Converter, dont nous avons mis le lien pour vous sur notre blog. Et alors, maintenant, nous allons faire un exemple pour vous montrer comment c'est chose simple d'utiliser ce logiciel. Alors, il vous faut simplement d'abord ajouter le fichier. Tout d'abord, laissez-nous vous dire que les documents qui intègrent des images ou bien des vidéos, avec ces documents, ça ne va pas marcher. Donc, il faut absolument utiliser des documents qui n'intègrent pas des vidéos. Alors, on va prendre ou bien des photos. Alors, on va prendre ici un document, ici, corps. Quelconque qui n'a pas de photo ou pas d'image. Et maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Convert PDF. On clique sur Convert et voilà, le document est converti. C'est chose faite, c'est déjà terminé. Voilà, avec toutes les pages, etc., jusqu'à la dernière page. C'est là aussi l'avantage de ce programme, de ce programme, c'est que ça convertit toutes les pages, pas simplement les trois premières pages ou bien la page de couverture, mais ça convertit très bien toutes les pages, question de vous permettre d'arriver vraiment à lire votre document, vos documents PDF sur votre GSM chinois en format TXT. Maintenant, tout ce qu'il nous faut faire, c'est brancher notre GSM chinois via le câble USB et le mettre en mode emmagasinage massif et directement et sauvegarder ce document sur votre bureau et glisser sur votre carte mémoire dans le fichier e-book. Merci et à bientôt.